quoi on arrive quand après des années, on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début et fidèle à ses rêves du début. C'est de cette respectabilité-là que nous devons vivre, nous. Voyez-vous, ce qui n'est pas respectable aujourd'hui peut l'être demain. Aussi bien chez les hommes que pour les idées. Ho Chi Minh n'était pas respectable, il est devenu. Castro n'était pas respectable, il est devenu. Le Gaulle n'était pas respectable, il est devenu parce qu'ils sont restés fidèles. Alors, rêve de jeunesse. La Restez fidèles au rêve qui l'entend fort.